Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le matin. On n'entend pas très bien ma voix, mais c'est ça. Donc, comme promis, je vais vous montrer ma routine du matin. Comment je fais mes tresses le matin et tout. Là, je viens de les défaire. Regardez, je viens de les défaire. Je dors toujours avec un petit foulard. Je ne sais pas si on entend bien ma voix, mais en tout cas, j'ai un petit bouton là. Mais je dors toujours avec un petit foulard pour protéger. Maîtresse contre l'oreille parce que quand ça frotte contre l'oreille, ça reste pas longtemps. Donc ma voix est pas très 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 forte parce que je viens de me réveiller. Mais c'est ça. Donc quand je me réveille, j'ai encore mon petit foulard parce que je le sers bien avant de dormir. Ensuite, bon, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je l'enlève pour pouvoir respirer. Je l'enlève. Et voilà, ça c'est maîtresse. C'est maîtresse. Ici en avant, je l'avais refait parce que ça s'est défait. Mais voilà, ça c'est maîtresse. Le matin, ça a l'air de ça. Ensuite, je passe ma main dessus, comme ça. Je l'ai fait. J'ai zoomé sur ma face parce que je voulais que vous puissiez bien voir. Là, voilà. Ça, c'est maîtresse le matin. Je passe ma main dessus. Ensuite, je prends mon push-push d'eau. Ma gueule, ma face. Je prends, ça a l'air que je viens de me réveiller. En tout cas, je prends mon push-push d'eau. Puis, avec ce push-push d'eau, tout ce que je fais, c'est que voilà. J'ai mis l'eau dans mes cheveux. En fait, il y a l'huile. Hein. Je sais plus avant. Je ne sais pas montrer. Je secoue les push-push. Là, l'huile et l'eau se mélangent. Il y a toutes sortes d'huiles là-dedans. Là, l'huile et l'eau se mélangent. Et je mets partout sur mes cheveux. Partout comme ça. Il y a tout partout, partout. Regardez comment c'est tenu. C'est lui qu'on voit, tu sais quoi encore? Je sais quoi encore, je mets. Cette vidéo va pas vraiment pas durer longtemps. Je secoue, secoue, secoue. Puis une fois, j'ai mis partout, partout, partout. Et je sens que mes cheveux sont un petit peu mouillés. Je masse mes cheveux. Je masse partout, partout. Je masse partout, partout. Masse en arrière, au milieu, en avant. En avant, c'est important. En avant, mes baby hair. Tout, mes petits cheveux en avant. Je masse vraiment les tout comme il faut. Alors, mon bouton, il apparaît trop. Puis, quand j'ai fini de masser, j'ai bien massé tout, je masse en avant. Là, je ne vais pas mettre l'huile parce que j'ai dit l'autre jour qu'une fois qu'on a fini avec l'eau, on met l'huile. Mais moi, c'est déjà mélangé. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez mélanger l'eau et l'huile déjà dans le push-push. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout le temps prendre l'eau, prendre l'huile. Donc, c'est ça. Puis là. Vous attachez vos cheveux si c'est ça que vous voulez. Vous pouvez aussi les laisser détacher si vous voulez, mais vous pouvez les attacher. Là, je vais faire comme si je sortais. Ça m'a bien, mais je vais vous montrer la routine complète. Donc, quand je finis de faire ça, moi je vais le garder attaché parce que je reste à la maison puis je fais mes affaires. Donc, je les attache. Regardez. Comment c'est propre là. Je les attache. Puis après, si je sens que mon devant, mon derrière n'a pas eu assez d'huile, assez d'eau aussi, je mets l'eau et l'huile. Je peux faire tout encore. Juste pour donner l'eau au côté. Et je masse. Je masse encore. Et bon. Là, je vais vraiment comme ça,
Je vais vous montrer. Là, mes tresses sont plus bonnes avant parce que je les ai fait gros gros. Parce que je veux les défaire. Je gardais juste pour la vidéo. Plus ça. Là, si je vais sortir, si je vais, jamais je vais sortir, je vais faire mes baby hair. Donc, je prends un brosse comme ça pour les cheveux que je vais utiliser seulement pour les cheveux. N'utilisez pas votre brosse à dents pour faire les baby hair. Jamais, jamais. On prend un brosse comme ça, juste pour les baby hair. Tu les gardes juste pour tes baby hair, en fait. Puis, on prend les gels. Là, à ce moment, j'utilise les gels éco transparents. Gel éco transparent. Transparent. Donc, ensuite, je prends mon brosse. Avec les brosses, je viens appliquer. Comme j'ai besoin d'un petit peu d'eau pour faire ça, je peux en mettre sous ma main. Je mets un peu d'eau sous ma main. Et je viens chercher l'eau. Et il y a du gel dessus. Et je vais faire mes baby hair comme ça. Regardez. Je vais lever la caméra pour que vous puissiez voir. Oh, regarde la différence entre ces côtés et ces côtés. Oh my God. C'est bon. C'est fucking beau. C'est hyper beau, en fait. J'aime ça faire ma baby hair quand je l'étale le matin. Avec un beau maquillage, sérieusement, je n'ai pas le temps de faire un maquillage, mais avec un beau maquillage, vous avez vu dans mon dernier vidéo, c'est hyper beau. Et pour ceux qui me suivent toujours sur Insta, vous avez vu la photo que j'ai postée? Mes cheveux bien faits et tout. C'est super beau. Allez, regardez ça. Oh my God. Je suis là, vous pouvez aller. Si vous avez des cheveux ici, vous pouvez faire. Mais là, moi, j'en ai pas. Mais je vais juste rentrer ça à l'intérieur et descendre ça. Après, je vais aller de l'autre côté, je vais descendre. Et pour que ça tienne toute la journée. Pour que ça tienne toute la journée, mon foulard avec lequel je dors, ça me sert aussi pour faire mes baby hair. En fait, cette foulard a tellement plusieurs utilités. Je peux même sortir avec. Je peux même sortir avec. Je vais vous montrer des vidéos avec mes foulards. Donc, je prends ça comme ça. Et je mets. Ça permet de garder les baby hair faits toute la journée. Moi, je ne veux pas le garder 5 minutes, mais il faut le garder au moins 5 minutes, 5 à 10 minutes, le temps que vous faites votre déjeuner, le temps que vous faites votre truc, les tout. Moi, je préfère me maquiller avant. Quand je vais sortir, je préfère me maquiller avant, puis après, c'est ça, mais après, je me maquille. Je mets le foulard, je fais mon petit déjeuner, je fais mes choses. Ensuite, j'enlève, je m'habille et tout. Ensuite, j'enlève mon foulard. Ça aurait fait 10 minutes, même plus. Ensuite, je l'enlève. Quand ça fait 5 à 10 minutes, je l'enlève. Et là, moi, je l'enlève tôt parce que c'est dans la vidéo, mais vous, il faut compter 10 minutes. Et regarde, juste les petits 1 minute ou 2 minutes que j'ai parlé là. Regardez, ils sont encore là. Ils sont encore là, mes baby hair. Et là, c'est ça. Puis moi, je vais rester comme ça, mais admettons, vous voulez faire un chignon. Vous pouvez faire des baby hair aussi si vos cheveux sont détachés. Ça change. Ça donne juste. Ça fait juste plus beau, là. Mais vous attachez vos cheveux si vous avez envie de faire un chignon. Je pourrais faire quand j'aurai. Allez. Ouh, c'est pas beau, c'est trop beau. Regardez. J'ai zoomé sur ma tête aujourd'hui parce que je voulais vraiment que vous voyez. Regardez en arrière. Attends, c'est trop beau. Regardez. Putain. Puis là, il manque juste le maquillage, le bouc d'oreille. Attends, je vous montre avec le bouc d'oreille. C'est juste trop beau. Regardez. Je sors pas. En fait, je vais enlever. Mais... Attends, c'est très bien. Là, il manque juste. Vous vous habillez bien, vous mettez bien vos affaires, la bague, si vous avez une bague, la montre et tout. Puis les tours est joué. Sérieusement, regardez. C'est trop bien. C'est trop bien, regardez. Et moi, je vais aller continuer ma journée. Allez, à bientôt. Bye.
Bisous.